acclamer le nom du Seigneur ce matin. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te bénissons et nous célébrons ton saint nom ce matin. Dieu est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Dieu est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant. Voilà pourquoi ce matin nous proclamons tous ensemble: saint, 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 saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, tu es saint, saint, toi seul saint. Voilà pourquoi quelqu'un avec moi veut te dire: nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, roi seul et digne de nos louanges, digne de notre gratitude. Nous t'exaltons ce matin, nous t'exaltons, Éternel des armées. Tu es saint, roi seul et digne. Nous t'exaltons, nous te célébrons. Tu es saint, saint, saint. Nous t'acclamons ensemble, nous t'acclamons. Toi seul, Éternel des armées, tu es saint. Magnifique Père, nous t'acclamons, Éternel des armées, tu es saint, 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 digne, tu es digne. Roi des rois, tout puissant, tu es digne. Je veux dire ce matin, digne, je veux reconnaître, tu es digne. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Je déclare merveilleux, tu es merveilleux. Merveilleux, admirable, Père de grâce et d'amour, roi des rois, tout puissant, tu es merveilleux. Je veux dire merveilleux, Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Je veux dire Jésus magnifique, magnifique, magnifique Saint-Esprit. Nous t'accueillons ce matin, roi des rois.
tout-puissant, tu es magnifique. Je veux dire que tu es magnifique. Tu es magnifique, roi des rois, tout-puissant. Nous t'adorons. Notre Père, Maître et Seigneur, Majesté suprême de tout l'univers, admirable Père, magnifique, excellent Père de grâce et d'amour, cher Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, magnifique présence de Dieu, magnifique Jésus de Nazareth, ce matin nous sommes reconnaissants. Ce matin nous voulons simplement dire notre gratitude. Ce n'est pas le réveil qui m'a réveillé ce matin, c'est la bonté de Dieu qui m'a réveillé ce matin. Ce matin, nous voulons te dire combien tu es bienvenu, combien tu es précieux, combien tu comptes, combien nous avons besoin de toi. Ce matin, nous voulons te dire combien nous reconnaissons notre incapacité, notre petitesse, notre ridicule, notre misère. Voilà pourquoi nous ne comptons pas sur nous, mais nous comptons sur le Saint-Esprit, sur les capacités du Saint-Esprit. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Ce matin, merci de parler à nos cœurs. Merci de renouveler notre intelligence. Lance ta parole, Seigneur, comme un javelot. Qu'elle atteigne le centre même de nos cœurs. Qu'elle ne déchire pas nos vêtements, mais qu'elle transforme nos cœurs. Nous ne voulons pas prendre l'honneur. Nous ne voulons pas prendre les ovations des hommes. Nous ne voulons pas prendre les applaudissements des hommes. Du soleil levant jusqu'à son couchant. Que le nom du Seigneur, notre Père et notre Dieu soit exalté. Pas à nous l'honneur, pas à nous la gloire, jamais Père, mais à ton nom nous voulons donner gloire pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, hier, aujourd'hui et demain. Merci pour hier, notre Père et notre Dieu. Merci pour aujourd'hui, pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui, la manière dont tu es en train de nous façonner, dont tu te prépares un peuple, tu sanctifies ce peuple, tu instruis, tu nous éduques, tu nous montres la voie que nous devons suivre. Et tu nous propulses vers notre destinée. Alors merci pour ce que tu as commencé à faire en mon frère, en ma sœur, en nous-mêmes, en chacun d'entre nous, selon que nos cœurs se disposent pour toi. Merci infiniment. Nous savons une chose, conformément à ta parole, ce que tu commences, tu l'achèves. Nous sommes le vase, nous sommes simplement des vases. Déverse ta grâce, déverse ta puissance, déverse, ô Père, tout ce que tu es, ta nature, ton caractère, ton cœur de Père. Et accorde-nous la grâce, Père, d'être ce que tu veux que nous soyons, d'accomplir ce que tu veux que nous accomplissions, de devenir ce que tu veux que nous devenions, pas pour que nous soyons vus, mais pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Notre Père, nos yeux sont sur toi. Merci de challenger nos limitations. Merci de briser toutes les formes de barrières qui s'opposent encore à notre émancipation, notre avancement, notre héritage en Christ. Excellent Père de grâce et d'amour, nous savons que tu as commencé une œuvre, tu es fidèle pour l'achever. Alors à toi qui fais ces choses, à toi soit notre louange, notre gratitude, l'honneur, la gloire, la puissance, la splendeur, la domination, la souveraineté, le conseil, la splendeur, la force, la louange, l'exaltation, à toi le gouvernement, à toi l'empire, hier, aujourd'hui et éternellement, par le Saint-Esprit, nous te disons merci. Quelqu'un me dit Amen, Amen et Amen. Et vous asseoir dans sa présence, ceux qui le peuvent. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC, cette église protestante évangélique, si on peut l'appeler comme ça. Bienvenue dans la représentation diplomatique du Royaume des Cieux. Nous sommes actuellement au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Je ne vous ai pas entendu me dire Amen. Le pays où Dieu règne. Le jour vient. Où la gloire de l'Éternel sera visible, sera palpable, sera ressentie dans tout le pays, d'une manière ou d'une autre. Tout œil le verra, même ceux qui n'y croyaient pas, ils le verront quand même. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, ton voisin ne croit pas, mais qu'importe. Dieu n'a pas besoin que tout le monde y croit. Tu as besoin qu'il y ait une poignée de gens qui croient. Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Dieu cherche un homme, il cherche une femme par qui il peut faire des exploits. Nous avons depuis 3 semaines maintenant parlé
Nous parlons depuis 3 semaines des différents niveaux de la marche que nous devons avoir avec Dieu, des différents degrés de la marche que nous avons, que nous devons faire avec Dieu. Nous avons expliqué que le premier niveau de la marche, la première étape de la marche, c'est la nouvelle naissance. Quiconque n'est même pas encore né de nouveau ne peut même pas dire qu'il connaît Dieu, ne peut même pas dire qu'il aspire à faire quelque chose de bon dans cette génération. Parce que nous avons dit que tout se fait uniquement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la première étape, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Lorsque l'Esprit est recréé, lorsque je nais de nouveau, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, même s'il va à l'église tous les jours, l'église ne change personne. L'église ne change personne. L'église n'a jamais changé quelqu'un. Quelqu'un me dit aïe. C'est la parole de Dieu qui change les cœurs, pas l'église. Donc tu parles à l'église tous les jours depuis 1901. Ça ne change absolument rien. Ça ne veut pas dire que tu plais à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es transformé. Ce qui transforme les cœurs, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Donc il ne faut pas être étonné quand quelqu'un dit « Je vais à l'église depuis 1950 ». Ça ne veut rien dire. C'est quelle est la quantité, la qualité de parole que tu as emmagasinée en toi. C'est ça que je veux savoir. Donc nous avons dit que la première étape, c'est la nouvelle naissance. Et la deuxième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit le baptême du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu pour moi, dis-le. C'est la volonté de Dieu pour moi. Et nous avons expliqué que le baptême du Saint-Esprit est donné à ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est que la deuxième étape. Mais la troisième étape dans laquelle Dieu veut que chaque croyant, chaque citoyen du royaume des cieux, chaque enfant de Dieu, dès l'instant tu deviens enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me disait encore ce matin, il faut que mon peuple comprenne que c'est ma volonté qu'il marche dans la plénitude de l'Esprit. C'est ma volonté que chaque croyant marche comme Jésus a marché. Que chaque croyant vive comme Jésus a vécu. Quelqu'un me dit un amen sincère. Je sais que tu as du mal à le croire. Je sais que c'est dur pour toi parce que tu vois, la vie t'a tellement montré le contraire. La vie, tu as tellement vécu exactement l'opposé de ce qu'on dit ici que parfois ça semble trop beau pour croire. Et pourtant, c'est vrai. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu, il avait affaire aux Juifs qui avaient le même genre de challenge. Ils étaient tellement habitués à la tradition, la religion, les dogmes. Ils étaient tellement habitués à toutes ces forteresses mentales, ces raisonnements, ces enseignements que Jésus devait bombarder constamment les paraboles du royaume de Dieu pour démanteler tout, pour les aider à désapprendre tout ce qu'ils avaient appris pour réapprendre le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il disait toujours, repentez-vous, changez votre manière de penser. Et il insistait constamment, repentez-vous. Il allait de lieu en lieu, de ville en village pour dire, repentez-vous, changez votre manière de comprendre. Parce que je vous emmène non plus une religion, non plus une tradition, non plus des dogmes, mais je vous emmène le royaume. Et le royaume est manifesté par celui qui est en moi, qu'on appelle le Saint-Esprit. Le royaume. Il ne parlait que du royaume. Et le royaume commence par la nouvelle naissance. Ensuite, le royaume se poursuit par le baptême du Saint-Esprit. Et la volonté du Père, c'est qu'on ne s'arrête pas au baptême du Saint-Esprit qui se manifeste par le parler en langue. Non, le baptême du Saint-Esprit n'est que la deuxième étape. Il y a une troisième étape qu'on appelle le revêtement du Saint-Esprit. Ou encore le revêtement de l'onction. Le revêtement de l'onction. Et l'onction, c'est la volonté de Dieu pour quiconque. Pourquoi ? Nous avons dit que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans un homme, dans une femme, pour produire des résultats extraordinaires. Dieu ne t'a jamais destiné à vivre une vie ordinaire. Qui t'a dit que tu es né pour vivre une vie ordinaire ? Dieu n'est pas ordinaire. Dieu est extraordinaire. S'il vit en toi, ta vie ne peut pas rester ordinaire. Dis-moi amen, je n'ai pas entendu. Tu vois, tu as même du mal à l'accepter tellement tu as été habitué à vivre dans l'ordinaire, dans l'inconnu. Dieu ne t'a pas dit que tu dois vivre comme ça. Il faut que ça change. Dis-moi amen. Dis, ça doit changer. Et pour que ça change, c'est ce que Dieu fait. Il envoie sa parole. Pour que ça change, il envoie sa parole. Lorsque les gens de Ninive étaient tellement dans le péché, dans l'immoralité, l'impureté, toutes ces choses, les abominations, les gens criaient, certains criaient à Dieu pour dire « Seigneur, sauve-nous » Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu a dit à un homme qu'on appelle Jonas, « Jonas, lève-toi, va à Ninive » Pour faire quoi ? Prêche ma parole, annonce ma parole. Jonas a dit « Mais ils ne vont pas changer » Il dit « Annonce ma parole, contraire à moi à ce que vous croyez, vous ne connaissez pas ce que Dieu... » Le Seigneur m'a dit « Moi pour agir, il faut que quelqu'un parle de moi. Il faut que tu parles la parole pour que j'intervienne. » Dites-moi amen. Dieu n'enverra pas un ange pour parler aux humains. Dieu enverra un humain pour parler aux humains. Mais cet humain, il le revêtira du Saint-Esprit. Il mettra ses paroles dans sa bouche.
Si je viens me tenir debout, je ne vous parle pas des paroles de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ça ne sert à rien. On n'a rien à faire ici. Rentrons chez nous, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà. Mais Dieu m'a envoyé donner la parole ce matin. Quelqu'un me dit amen. Dieu, le Saint-Esprit insiste. Il veut que tu comprennes qu'il veut faire des choses grandes avec toi. Il a dit, celui qui croira en moi fera des œuvres encore plus grandes que celles que moi j'ai faites, parce que je m'en vais au Père. Qui a dit ça? Jésus. Il dit, celui qui aura la foi en moi, celui qui aura la foi, celui qui croira en moi, pas celui qui va à l'église. Beaucoup vivent à l'église. Certains s'ennuient, d'autres... Mais il dit, celui qui croit en moi, il fera des œuvres encore plus grandes que moi. La destinée, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu vives une vie d'impact. Une vie d'impact. Parce que le Dieu grand et redoutable vient habiter dans un simple vase fait de poussière et il le rend redoutable. Qui t'a dit que Dieu aime les petits problèmes? Dieu aime les situations délicates. Parce que c'est là qu'il manifeste sa gloire. Et il cherche pour ça des vases par lesquels il peut se manifester. Pourquoi? Afin qu'on le connaisse. Pas toi, lui, le seul véritable Dieu. Dieu cherche des vases. Il cherche des hommes, jeunes hommes, jeunes femmes, vieil homme, vieille femme. Dieu cherche un homme, une femme par lequel il peut se mouvoir sur la terre. Quelqu'un me dit amen. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui rentre dans un individu pour produire des résultats extraordinaires, pour faire de ta vie une vie d'exploit. L'onction, c'est c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, un renforcement de capacité surnaturelle qui vient de Dieu dans un être naturel pour lui faire faire des exploits, pour que sa vie devienne une vie d'impact. Qu'il aille à gauche, à droite, qu'il aille à Brazza, à Sibiti, à Oyo, qu'il aille à Libreville, d'une manière ou d'une autre, sa vie doit avoir un impact. Quand il passe quelque part, c'est bizarre. C'est comme si maintenant on se sent mieux. C'est ça. Ta vie doit être utile. Tu dois être un instrument d'impact. Quand Jésus passait quelque part, il n'était pas indifférent. Et il ne laissait pas les gens indifférents. Soit on l'insultait, soit on le louait. Dans tous les cas, personne n'était indifférent. Ceux qui l'insultaient manifestaient les œuvres du diable. Ceux qui le louaient manifestaient les œuvres du Père. Mais dans tous les cas, les gens n'étaient pas indifférents. Je déclare que tu ne seras pas indifférent. Soit on t'aimera, gloire à Dieu, soit on te haïra. Soit on te haïra. Soit on te haïra. Il y en a qui n'ont pas envie de dire gloire à Dieu. Non, c'est pas envie qu'on me haïsse. Tu veux pas qu'on te haïsse, pourquoi? Il est bon de se faire haïr de temps en temps. Si c'est pour la cause de Christ, alors j'en suis fier. I am glad. I belong to Jesus. I belong to. I belong to my Lord. Si tu m'aimes pas, I am glad. I belong to. Même si tu me détestes, qu'ai-je à faire? I belong to my Lord. J'suis heureux. J'appartiens. Qu'est-ce que ton avis fait? J'appartiens. C'est ce qui compte. J'en suis heureux. J'suis heureux. J'appartiens. Ah, c'est tout ce qui est utile et important. C'est tout. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Frère, quand le chef d'état de tout l'univers te dit, toi tu es mon fils, tu es ma fille, je t'adopte, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que tu crois? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que tu penses? Ah, mais moi, si j'étais le chef d'état de l'univers, je n'aurais peut-être pas dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, moustique? Dis-moi, amen. Dis, je veux vivre une vie d'impact, de triomphe, de qualité supérieure. Dis, ça, c'est mon héritage. Et c'est la volonté de Dieu pour moi. Dis, c'est sa volonté pour ma vie. Ça, c'est la vérité, frère. Donc, ce n'est pas grave. Comme Jésus, nous avons vu la semaine dernière, 30 ans incognito, 30 ans anonyme, 30 ans sans impact, 30 ans sans triomphe, 30 ans, il subit les choses, il voit les choses, il ne peut pas les changer. 30 ans, mais il fut un jour où l'Esprit est venu, le jour J, le moment M, l'instant T, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui.
métamorphose. Superman, c'est petit. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi? Parce qu'il a attendu le revêtement de l'onction. Et il a d'abord été rempli du Saint-Esprit. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Dans Actes 10, verset 38, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. Jésus a été oint, fils de Dieu, oui, mais il ne pouvait rien faire. Toi aussi, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. À quel moment, pasteur? La Bible dit, Jean 1, verset 14, à ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfant de Dieu. Les qui sont nés, ni du sang, ni de la volonté, de la chair. Autrement dit, ils ne sont plus nés de papa, de maman, de grand-père, de grand-mère. Mais ils sont nés de Dieu. Et c'est là la nouvelle naissance. Quelqu'un me dit amen. Je dis, c'est là la nouvelle naissance. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi, je suis né de Dieu. Donc, je suis enfant de Dieu. Ah bon? Mais ça ne se voit pas tellement apparemment. Quand je vois ma chemise, tu es enfant de Dieu dans ton esprit. Ton esprit est né de nouveau, tu es né de Dieu. Ce qui est né d'un chien est chien. Ce qui est né d'un éléphant est éléphant. Ce qui est né d'un chat est chat. Ce qui est né d'un homme est un humain. Ce qui est né de Dieu est de Dieu. Point final. Amen. Dis-moi amen. Mais ce n'est pas tout. Jésus était né fils de Dieu. Mais il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait... Il aimait le Saint-Esprit. Il connaissait le Père. Et il connaissait le Père, mais il attendait le jour où le Père allait se manifester pleinement en lui. Comment le Père allait se manifester? Par l'Esprit du Père. Qui est l'Esprit du Père? Le Saint-Esprit. Il attendait le jour où l'onction allait tomber sur lui. Où l'onction allait le revêtir, le posséder. Et là, il partait. Voilà pourquoi Actes 10, 38, il est dit, il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise de l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit pour rester à la maison. Télé Congo, il n'y a rien de toute façon là-bas, alors c'est pas compliqué. J'ai dit, il n'y a rien là-bas. Et je pèse mes mots. C'est moi qui ai dit. Et je ferme la parenthèse. Oui, n'êtes pas content, tant pis, je dis. Il allait de lieu en lieu. Il avait compris que quand l'Esprit venait, ce n'était pas pour lui. C'était pour les autres. Quand le Saint-Esprit te touche, ce n'est jamais pour toi, c'est pour les autres. Quelqu'un me dit amen. Il a dit, l'Esprit du Seigneur, Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a donné l'onction. Il m'a donné l'onction, il m'a oint pour faire quoi? Pour publier, pour proclamer publiquement une bonne nouvelle, ce qu'on appelle l'évangile. À ceux qui ont spirituellement soif, ou à ceux qui ont soif, ou à ceux qui ont faim. Il y a beaucoup de gens qui ont faim, il y a beaucoup de gens qui ont soif. Ah oui, mais ils ne sont pas gentils. Tu sais, quand tu vois les gens aller dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans les sociétés secrètes, ils passent longtemps à chercher. Ils cherchent la puissance, ils cherchent la divinité, ils cherchent Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont faim de Dieu? Ce sont ceux-là qui sont les pauvres. Pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile aux pauvres. On ne parle pas des gens qui n'ont pas l'argent, on parle des gens qui ont soif des choses de Dieu. Soif spirituellement. Il y a plein de gens qui ont soif spirituellement. Et du coup, ils ont tellement soif qu'ils vont s'égarer. Ils passent des années, des journées à aller de lieu en lieu, de lieu saint en lieu saint, espérant trouver Dieu, parler à Dieu. Alors qu'en vérité, Dieu, le lieu saint, dit, mais moi, si je viens en toi, tu deviens un palais saint, un lieu saint. Le lieu saint, c'est toi quand tu es né de nouveau. Quelqu'un me dit amen. Plus besoin d'aller à tel endroit, telle histoire où il y a des grottes. Non! Quand tu vas quelque part, tu es le temple de Dieu. Les gens ont faim. Ils attendent qu'on leur annonce la bonne nouvelle. Comment tu sais? Et c'est seulement, tu vas voir. Pourquoi? Parce que Paul le dit, je n'ai pas honte de l'évangile, ça dit la bonne nouvelle, car c'est une puissance. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu, est-ce que tu sais que la parole que nous annonçons là, quand tu l'annonces avec l'onction, c'est comme une épée à double tranchant. Chou, chou. C'est comme un javelot. Tu lances le cœur, ah, il entend dire, ah, il fait mal, et puis il sourit, pas, il est là. Mais il a mal. Quelqu'un me dit amen. Et même quand tu vois l'église, ils sont là, ils ne sourient pas. Mais il a mal. Il est touché. C'est juste que les montagnes d'orgueil que j'ai emmagasinées depuis des années m'empêchent de dire, oui, prends tout, Seigneur. T'inquiète pas,
laisse-moi la parole encore. Bombarde encore la parole. La parole est un javelot. La parole est un marteau. Elle brise les cœurs les plus durs. J'étais comme ça moi aussi. Il y a 20 ans, j'ai capitulé. J'en suis heureux et heureuse. J'ai capitulé. Voilà pourquoi je ne me laisse pas impressionner par les cœurs durs. Parce que j'étais dur. Personne ne pouvait me parler à 20 ans. J'ai envoyé les gens balader. Oh, dégage votre sac de chrétien. Jésus, quoi là. Moi, je suis catho, mon gars. Je suis catho pur. Catho. D'abord, j'étais musulman. Yo, musulman. Vous connaissez les Malcolm X, là, c'était nous. Jusqu'au jour où Dieu a frappé à la porte de mon cœur. J'ai capitulé. J'ai pleuré comme un enfant. Et pasteur Rabbi, pareil, elle qui était, qui me dit toujours, moi je suis musulmane, moi je suis musulmane, moi, chez moi c'est Isa, moi c'est pas Isa, moi c'est Mohamed, moi c'est Mohamed. Un jour, je l'ai invité à une convention là. Ce jour-là, elle écoutait la parole. Comment elle a fait pour accepter Christ? La parole. Il y avait un pasteur australien qui allait lui aussi de lieu en lieu, faisant le bien, il annonçait la parole. Et son titre, le titre de son message était, personne sur toute, dans toute l'histoire de l'humanité n'a parlé comme cet homme. Personne n'a parlé comme cet homme. À la fin, on voit pasteur Rabbi en train de pleurer. Jésus, je te veux. J'ai dit, oh là là. Non seulement elle donne le salut au Seigneur, mais en plus je l'aime, ça va être ma femme. 20 ans plus tard, lune de miel, s'il vous plaît, quelqu'un acclame le Seigneur pour moi. Lune de miel absolue et totale. 20 ans plus tard, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous pouvez revenir à notre sujet, s'il vous plaît? Vous m'avez embrouillé. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Les gens, Dieu a besoin de toi, ta bouche là, pour parler aux gens. Mais je ne sais pas quoi dire. Il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ne calcule pas trop, ne te pose pas trop de questions. Ouvre seulement ta bouche. Parfois, c'est par des moyens bêtes que tu peux annoncer l'évangile. Tu cherches quelqu'un, s'il est en train de fumer, tu dis, ah, la cigarette là, c'est pas bien. Pourquoi? Jésus peut t'aider. Mais tu sais, parfois... C'est pas comment. Un jour, j'ai évangélisé juste avec une cigarette, quelqu'un qui vient lui dire, Jésus peut vous aider. Il dit, oh, moi, je crois pas en Dieu, moi. Et puis, je sais pas quoi lui dire. Et j'ai dit, ah ouais, mais. Et le bon, comme ça, tu sais pas quoi dire. Et puis, j'étais nouveau converti. J'ai dit, mais Jésus peut quand même vous aider parce qu'il vous aime. Oh, mais je n'ai rien à faire, moi, c'est la religion. J'ai dit, non, c'est pas la religion, c'est la relation. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé dans sa maison, en train de parler une heure avec lui. Ils ont accepté le Seigneur, lui et sa femme. Il y a des choses que tu ne sais pas. Dieu cherche juste un vase qui va de lieu en lieu pour publier, pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Tu as reçu la vie de Dieu, ne la garde pas pour toi, partage-la. Et Dieu dit, mais il y a des endroits où tu ne pourras pas parler de Dieu parce qu'on va te mettre des barrières. Et là, il te dit, attendez, c'est vrai, tu as des barrières, on va te faire peur, on va t'inquiéter, on va t'intimider. Ça, j'en suis conscient. Mon fils, attends, cherche juste une chose. Quoi? Pas le Saint-Esprit seulement, mais la puissance du... Le troisième niveau de la marche avec Dieu, c'est l'onction. La puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit, je veux la puissance du Saint-Esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit vient, elle vient sur toi et tu es capable maintenant d'aller guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a plein de gens qui sont de l'amertume, la haine, la jalousie, l'aigreur, l'angoisse, la peur. Dieu veut les libérer. Arrête de les critiquer. Dieu veut les libérer. Et pour ça, Dieu cherche un libérateur. Il cherche un homme, une femme dans lequel il dépose son onction. Et quand l'onction est là, tu vas, frère, tu délivres les gens qui sont dans la douleur. Quelqu'un me dit amen. L'onction du Seigneur, l'onction, il m'a donné l'onction pour rendre libres les prisonniers. Toutes sortes d'oppressions démoniaques, d'oppressions sataniques, toutes sortes de maladies. Dieu veut passer par toi. Et j'ai une bonne nouvelle, il va passer par toi. Si tu n'y crois pas, il t'évitera. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a soif, qui a besoin que sa vie soit utile. Et c'est de lui, cette personne, cet homme, cette femme, c'est à toi que je suis en train de parler. Pas à tout le monde. Je parle à ceux qui ont soif de Dieu. Ceux qui veulent voir la réalité de Christ se manifester dans leur vie. Ceux qui veulent vivre une vie de triomphe. Une vie d'impact. Quelle est la réponse de Dieu aux besoins de l'humanité? Je l'ai dit, c'est Christ. Quelqu'un me dit, Christ. Le Christ de Jésus. Le Christ de Jésus. Et quand on parle de Christ, on parle du Saint-Esprit et de son onction. On parle de Jésus et de sa puissance. Du Saint-Esprit et de sa puissance. J'ai dit qu'il y avait une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être rempli de la puissance du Saint-Esprit.
On parle de l'onction du Saint-Esprit. Pas l'onction du pasteur, l'onction du Saint-Esprit. Elle passe par le pasteur, elle passe par les frères, elle passe par les sœurs. Mais la source, c'est le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas parler d'onction sans parler du Saint-Esprit. Juste une petite parenthèse sur le Saint-Esprit encore. Il y en a qui me demandent, mais je ne comprends pas tellement, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, frère, c'est une personnalité. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas un souffle. Il peut souffler, il peut faire le vent, il peut se manifester par le vent. Mais c'est une personnalité céleste, la troisième personne de la Trinité. Mais je ne comprends pas, c'est un mystère. Mais c'est une réalité. Le Saint-Esprit, il est la personne à rechercher en priorité. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Ne cherchez pas les vêtements, ne cherchez pas l'argent, ne cherchez rien de tout ça là. Cherchez le royaume des cieux. Or, le royaume se manifeste par la personne du Saint-Esprit. Ce Jésus de Nazareth, 30 ans, le gars a attendu rien. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu. Si lui l'a attendu le jour où le Saint-Esprit est venu, qui es-tu pour ne pas attendre le Saint-Esprit? Qui es-tu pour ne pas désirer le Saint-Esprit? Il désirait le Saint-Esprit. La Bible dit des fois, Jésus se retira et il passa la nuit en prière. Mais il priait le Père par le Saint-Esprit. La dernière fois, je priais, je disais, Seigneur, de quoi tu parlais avec le Père toute la nuit? De quoi tu discutais? De quoi vous parliez, toi et le Père, toi et le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, la personne la plus importante sur toute la terre. Quel est le secret de secret? Je te le dis, ne cherche pas, c'est le Saint-Esprit et sa puissance. Pour accomplir tout ce que tu vas accomplir sur la terre, pour être tout ce que tu veux être sur la terre, tu as besoin d'une clé, le Saint-Esprit et sa puissance. Quelqu'un me dit Amen. Il ne faut pas chercher à connaître l'homme de Dieu, cherche à connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Jésus faisait allusion au Saint-Esprit lorsqu'il disait dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, le Paraclétos ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, dit le Seigneur. » Il parlait qui? Du Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 16, le même Seigneur nous dit, « Encore un peu de temps. » Voilà les paroles bizarres. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me verrez. De qui il parle? Mais comment on ne te verra plus? Puis après on te verra. Vous ne me verrez plus corporellement. Mais encore un peu de temps, vous me verrez spirituellement. Comment? Par mon esprit. Il faisait allusion au Saint-Esprit quand il disait dans Matthieu 28, verset 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin de cet âge de la grâce. Tous les jours. Mais comment tu veux pas être avec nous tous les jours? Puisque tu vas partir, puisqu'on va t'enterrer. Il dit, je suis avec vous par mon esprit. Par mon esprit. Quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 16, verset 7, Il est écrit, arrivé près de la Mysie, Paul se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. L'Esprit de qui est-ce? Le Saint-Esprit. Il les a dit, vous ne rentrez pas. Dans Philippiens 1, verset 19, Paul leur écrit aux Philippiens, il leur dit, je sais que la situation que je vis, tournera à mon salut grâce à vos prières, c'est vrai, et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Il parle de qui? Du Saint-Esprit. Jésus a parlé du Saint-Esprit tout le temps. Il parlait du Père, et plus le moment de son départ approchait, dans Jean 14, Jean 13, entre Jean 13 et Jean 20, il parlait beaucoup du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Mais c'est lui qui l'a attendu. C'est une personne. Et je voulais dire à ADG vendredi, la pire des choses que tu puisses faire avec quelqu'un qui est une personne et qui est avec toi tous les jours, c'est de ne pas le considérer, de ne pas l'honorer, de ne pas le respecter, de ne pas le valoriser, de ne pas le saluer.
de ne pas être en communion avec lui. Tu es marié avec ta femme. À peine si tu lui dis bonjour le matin, va chercher la boisson là. Hé, va chercher. J'ai un prénom, chérie. Va chercher. Oh. Si tu fais ça là, tu auras affaire à moi. C'est moi-même qui vais te mettre en position des mains sous les joues. Psh, psh, au nom du Seigneur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est tout. Et il est écrit que sur la terre, rien ne se fait sans lui. Tout se fait par lui. Nous l'avons déjà vu ces dernières semaines. Quelqu'un me dit amen et je continue. Ce n'est ni par la force, ni par les diplômes, ni par l'expérience, ni par l'expérience académique ou professionnelle que tu peux faire des grandes choses, que tu peux faire des exploits, vivre une vie d'impact. Non, c'est par le Saint-Esprit. Diplômé, ingénieur, ça ne veut rien dire. C'est par le Saint-Esprit. Pas diplômé, c'est par le Saint-Esprit. Lorsque la puissance du Saint-Esprit descend sur un individu, elle détruit toutes les formes de souffrance. Elle transforme ta vie à toi. C'est vrai. C'est inévitable. Mais elle transforme la vie des autres. Parce que Dieu n'est pas intéressé seulement à toi. Dieu est intéressé aux autres. Dieu est esprit. Il habite dans un corps, dans un vase de terre, un corps. Et le but de Dieu en venant habiter en toi, c'est de se répandre par toi. C'est de toucher les autres par toi. C'est de nourrir par toi. C'est de bénir par toi. C'est de distinguer par toi. C'est de faire du bien à travers toi. Quelqu'un me dit amen. Donc arrête de penser à toi seul. Né de nouveau, mais tu n'impactes personne. Ça veut dire, et tu sais quoi? Tu vas finir par perdre tout ce que tu avais. Parce que tu vois, dans la vie, on est tous appelés à se reproduire. La loi de la reproduction. Tout ce qui est né doit se reproduire. La nourriture que tu manges, si elle ne se reproduisait pas, la terre serait déjà aride, sèche, depuis des années. Parce que le sol ne produirait plus. En plante, ça en mange. Mais après, il faut que ça repousse. Dieu a créé la loi de la reproduction. Il te donne un exemple. Tu dois te reproduire. Oh non, je n'ai pas entendu. Amen. Tu dois te reproduire. Quand le Saint-Esprit et sa puissance descendent sur toi, ouf, mon frère, que tu sois en sandales, que tu sois en chemise, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois au chômage, travailleur, quel que soit ce que tu sois, riche ou pauvre, je te dis, quand le Saint-Esprit descend sur toi, ta vie est distinguée. Je vous dis, quand le Saint-Esprit descend, ta vie est distinguée. Ce sont les effets de sa puissance sur ta vie. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de faire la publicité et on va encore le voir aujourd'hui. Quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton âge, ta taille, ta face, ta grâce, ta race, quand l'onction descend sur toi, là, les gens vont te respecter. Tu n'as pas besoin de leur dire, « Hey, attention, hein, respectez-moi, hein, je suis monsieur un tel. » C'est l'onction qui parle en ta faveur. Oh, quelqu'un me dit amen. L'onction, nous voulons parler aujourd'hui des effets de l'onction. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'onction fait dans la vie? Quel est mon but? Le Seigneur m'a dit, il faut que le peuple désire l'onction. Hein, il doit désirer ma présence. Mais la présence, tu l'as déjà lorsque tu es né de nouveau. Tu as déjà la présence, plutôt. Non, tu as déjà la personne de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Tu as la personne du Saint-Esprit en toi. La personne du Saint-Esprit doit devenir réelle pour toi. Et c'est là qu'on parle de la présence du Saint-Esprit. C'est lorsque la personne se manifeste dans tes moments de prière, dans tes moments d'adoration, dans tes moments de prédication. La personne se manifeste, c'est le Saint-Esprit. PPP, et ce n'est pas tout. Il te faut aussi la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas obligé de manifester sa puissance. Parce que sa puissance, sa personne, il la donne à quiconque croit. Mais sa puissance, il la donne à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif et à ceux qui sont qualifiés. Pourquoi? Parce que sa puissance, elle a un problème. C'est comme l'électricité. L'électricité, c'est bien dans ta maison. Tu peux repasser. Tu peux aussi allumer la lumière. Oh, tu peux mettre la télévision. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Mais l'électricité peut aussi te tuer dans ta maison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà pourquoi la puissance, il ne la libère pas n'importe comment. Et on va le voir. Il y a des manières, il y a des conditions pour recevoir l'onction. Mais quand l'onction vient, je te dis, mon frère, ma soeur, bas la terre, tu n'as plus besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est l'onction qui parle en ta faveur. Par contre, quand l'onction vient, plus que jamais, tu dois apprendre
La loi de l'humilité. Parce que quand l'on se met, ton cœur souffle. Oh, croyez-moi, beaucoup sont tombés, beaucoup ont perdu, beaucoup sont morts de manière prématurée. Parce qu'ils avaient tellement d'onction, mais le cœur ne s'est pas abaissé. L'onction monte, le cœur doit descendre. Ah, quelqu'un me dit amen. Ah, quand l'onction est venue sur Moïse, Moïse, on l'a vu la dernière fois, un homme avec un bâton, un homme simple avec un bâton, a détruit toute une armée avec son chef qu'on appelait Pharaon. Un homme avec un bâton. Quand l'onction tombe sur toi, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu as dans les mains. Ce qui est important, c'est qui est sur toi. Le Saint-Esprit. Sinon, David aurait été vaincu avec Goliath. D'ailleurs, j'ai remarqué que l'onction aime les problèmes. Le pasteur m'a vendu carrément, il dit, dès que tu es loin, t'inquiète pas, les problèmes vont venir à toi. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas l'onction. Ils préfèrent rester pieux. Saint-Esprit en moi. J'aime le Seigneur. Je suis malade, mais j'aime le Seigneur. Je suis dans la misère la plus totale, mais j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur, je crains le Seigneur. Ça, c'est la présence de Dieu en toi. Ça, c'est la présence de Dieu en toi. Tu vois, non? Tu arrives à obéir à Dieu. Aïe! Oh là là, j'ai mal. Oh Seigneur, miséricorde divine. Ouh, je souffre dans ma misère spirituelle. Elle n'est pas spirituelle d'ailleurs. Je souffre. Ça, c'est le Saint-Esprit en toi. Ils te rendent capable d'aimer Dieu, de chérir Dieu. C'est bien. Le problème, c'est que la maladie, les misères que tu vis là, la seule manière de la briser, ce n'est pas la présence. C'est l'onction qui brise le joug, qui écarte toutes les formes de fardeau, qui détruit les fardeaux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lorsque l'onction est descendue sur Moïse, Moïse a terrassé toute une armée, celle de Pharaon. Lorsque l'onction du Saint-Esprit est tombée sur Josué, celui qui avait reçu l'onction par Moïse, Josué était capable de faire entrer son peuple en possession de leur héritage. Or, Dieu nous a créés pour un héritage. Et dans l'héritage, là, tu as tout. Santé divine, restauration, bénédiction, faveur, distinction, promotion, élévation, puissance, percée, impact. Tout est dans le package qu'on appelle l'héritage. Pourquoi? C'est l'héritage divin. C'est l'héritage d'un père à ses enfants. Et il donne aux enfants, les enfants disent, pour prendre l'héritage, c'est suspect. Combien de batailles il nous faut batailler? Ah non, pour faire vivre une vie tranquille. Moi, je n'aime pas les histoires. Qui aime les histoires? Mais des fois, les histoires te cherchent. Tu fais quoi? Là, tu ne peux pas le faire par toi-même. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Dis-moi amen. Quand l'onction viendra sur toi, tu rentres en possession de ton héritage. Je te dis que tu rentreras. Si tu restes à ICC, tu n'auras pas le choix. Soit tu partiras, soit tu prendras l'héritage. Mieux vaut être un chef, mieux vaut être un lion à la tête d'une armée de brebis, plutôt que d'être une brebis à la tête d'une armée de lions. Qui conduit? Frère, si c'est moi que Dieu a mis là, on va y aller. Ah, nous, là, Dieu nous a déjà donné la mentalité des kamikazes. Tu vois les kamikazes, non? Ils foncent et ils vont atteindre le but. Pourquoi? Parce que Dieu lit. Même quand je veux m'asseoir, je n'arrive pas à m'asseoir. Je suis consumé par la passion de Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi les battements de ton cœur. Dis-moi ce que ton cœur dit en ce moment. Dieu dit, Yves, tu es demeuré trop longtemps sur cette montagne. Maintenant, allez, prenez le pays. Déployez-vous dans le pays. Je veux manifester ma gloire. Allez, il y a des forteresses à renverser. Dans les villages, dans les villes, les gens attendent le salut de Dieu. Ils attendent la manifestation des fils de Dieu, des enfants matures de Dieu. Parce qu'ils sont dans les pratiques fétichistes, occultistes. Ce n'est pas leur faute. On ne leur a rien montré d'autre jusque-là. Ils ne savent pas qu'il y a une autre réalité. Ils pensent que la réalité, c'est celle-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut quelqu'un pour leur montrer qu'il y a une lumière qui luit dans les ténèbres et qui brise les ténèbres. Et cette lumière, nous allons l'emmener. Dieu donne l'onction pour prendre la lumière et la porter pour sauver les âmes. Ceux qui sont dans l'extrême nord, l'extrême sud, l'extrême est, l'extrême centre du Congo ne sont pas moins congolais que toi et moi. Les gens ont besoin du Christ. Les gens ont besoin de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Et Dieu dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Pourquoi? Pour manifester mes desseins, pour faire du bien à ces gens. Et il faut aller faire du bien. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu pourra compter sur toi?
Dieu a donné l'onction à Josué. Et Josué a été capable de terrasser et de terroriser des ennemis qui étaient beaucoup plus nombreux qu'eux et beaucoup plus forts qu'eux. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois comment parfois Israël était là. Ils étaient là, 100 000, entourés d'une armée de 3 millions de soldats. Donc c'était comme une petite poignée d'individus entourés d'une armée de multitudes de gens. Ennemis beaucoup plus forts, beaucoup plus nombreux qu'eux. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand l'onction du Seigneur descend sur Israël, c'est comme si maintenant tu demandes où ils sont. Il dit les ennemis que tu vois, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Pourquoi? Parce que la terreur de l'Éternel se sera manifestée. Ah, vis encore, tu comprendras de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Je déclare, mon frère, l'onction va venir sur toi. Et tu vas être capable de terrasser ce qui te terrassait hier, tu vas le terrasser. Ce qui te terrorisait hier, tu vas les terroriser. J'ai dit que quand l'onction vient et elle vient sur toi, tu vas les terroriser. Ah! Ah! Quelqu'un me dit amen. L'onction te rend méconnaissable. L'onction, c'est quoi l'onction? C'est le revêtement de la capacité surnaturelle de Dieu dans tes capacités naturelles et toutes humaines, donc faibles, pour te rendre capable de faire des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Quand on regarde, ah, ça, c'est pas toi. Oui, c'est pas toi. C'est l'onction qui est sur toi. Qu'est-ce que quelqu'un me suit? Grâce à l'onction, certains hommes ont possédé une intelligence hors norme. L'onction, c'est vrai, brise les jougs, ôte les fardeaux. Donc, c'est par l'onction que les malades sont guéris rapidement. C'est par l'onction que les démons sont chassés rapidement. C'est par l'onction que la bonne nouvelle est répandue rapidement. Quelqu'un me dit amen. Si tu communiques, tu parles sans onction, ça va se voir. Vous savez quand tu vas... Oh là là. Ça fait 10 minutes qu'il a commencé. Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie, mon Dieu. Moi, ton église, là, vraiment, c'est difficile, hein. Tiens bon, plus qu'une heure. Oh là 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 là. Au secours, Dieu. Et puis, attends, SMS, appelle-moi, puis je sors. Oui, allô? C'est un appel, monsieur, c'est un appel. Et puis après, il s'en va chez lui. Mais il cherchait un moyen pour quitter. Quelqu'un me dit, aïe. Quelqu'un me dit, l'onction. Seigneur, je veux l'onction. L'onction n'est pas limitée aux problèmes spirituels. L'onction n'est pas limitée à la guérison des maladies. Tout ça, on sait déjà, c'est vrai. Et l'onction le fait. J'ai déjà essayé de chasser les démons à l'époque que je me suis converti, je me rappelle. J'ai déjà chassé un démon. Je me rappelle à cette époque-là, comme beaucoup de frères, au nom de Jésus, sors! Je ne sors pas. Et puis il y en a un qui m'a dit, eh, j'étais là, au nom de Jésus, j'ai transpiré là. Sors, sors, sors! Et puis à un moment donné, l'esprit me regarde, petit. J'ai dit, quand tu n'as pas l'onction, tu chasses un esprit mauvais, tu dois négocier. Mais il faut sortir. Regarde, je suis enfant de Dieu. Jésus est en moi. Ah ouais, je sais. Mais je ne sors pas. C'est pourquoi il dit ça. Parce que tu n'as pas encore la puissance. Il te manque la puissance. Quelqu'un me dit amen. Parce que quand la puissance est là, lui, il a maintenant s'excuser. Quand la puissance est là, c'est comme si ça te facilite toute la tâche. Donc tu n'as plus tellement à négocier. Non, il faut sortir parce que tu vois Jésus à la croix. Bon, mais tu n'as pas. Une, trois heures après, on t'avait dit que Jésus à la croix a pris ses péchés, non? Tu n'as pas compris? Esprit. Non, attention, tu arrives quand même à chasser les démons. Quelqu'un me dit amen. Amen. Non, on y arrive. Mais tu vois, non? La sueur là que tu dépenses, la vraie. Parce qu'il n'y a pas l'onction. Il faut aller chercher l'onction. Il faut aller chercher l'onction. Parce que quand on a l'onction, tu ne fais plus d'efforts. Lundi dernier, j'étais là après donc le dimanche. Je me lève le matin, j'avais un de ces balles de tête, mais j'avais mal à la tête. Mais c'était terrible. Je commençais à me taper. Quand? Ça arrive aussi au pasteur. Hein? Quand? Mais j'ai négligé. Je lui dis, oh, c'est rien, ça va passer. Je passe ma journée et toute la journée, lundi, j'étais toujours comme ça. Quand je parle aux gens, j'étais comme ça. Tu vois, quand la tête fait mal, là, tu es comme ça, tu touches la tête. Je dis, mais c'est quoi? Je me disais, ça va passer, ça va passer. Et puis vers 18h, je mange. Quand je mange, je tiens ma tête, je dis, ah, c'est quoi? En fait, je n'ai pas envie de prier. C'est des moments comme ça où tu as la faim. Bon, ça ne vous arrive pas, c'est vrai. Mais moi, en général, le lundi, je suis cramé. Donc, mon corps essaie de se reposer. Et j'avais mal à la tête. À un moment donné, 20h, c'est comme ça. Quand? Je dis, oh, non, ça suffit. J'ai dit, je m'arrête. J'étais avec quelqu'un. J'ai dit, bon, donne-moi ta main. La Bible dit que lorsque deux ou trois s'accordent sur la terre, parce que je peux prier seul, même comme tu es là, tiens, accordons-nous. Puis j'ai mis la main sur ma tête. J'ai dit, mal de tête, tu arrêtes.
Je te réprime au nom de Jésus-Christ. Christ a pris mes douleurs à la croix. Christ a pris mes infirmités à la croix. Je refuse cette souffrance. Elle s'arrête maintenant. Je ne prenais pas les médicaments. Les médicaments, c'est la parole. Terminé maintenant. J'ai dit au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de prier pendant 10 minutes, 5 minutes. Non, non, juste 2, 3 minutes. Amen, j'ai prié. Vous savez quoi? 30 secondes plus tard, je suis en train de marcher et puis je me rends compte que je n'ai plus mal. Je dis, oh, ah ben tiens, c'est parti. J'ai dit, ouais, béni soit Dieu pour la parole. Ça marche. Quelqu'un me dit amen. En fait, ce que j'essaie de dire, à l'époque, je dois vous avouer que je le faisais, mais ça ne marchait pas, je devais prendre les médicaments. C'était l'option 1, prier, ça ne marche pas. Option 2, médicaments. Vous savez pourquoi? Pas parce que Dieu n'est pas bon, non. Il manque la puissance. Pour pousser les choses, il manque la puissance. Pour casser les choses, il faut la puissance. Quelqu'un me dit amen. Dis Seigneur, je veux l'onction. Dis-moi Seigneur, je veux la puissance. Les effets de l'onction. Regardons la vie de quelqu'un sur qui l'onction est venue. Joseph, fils de Jacob, son père. Père de 12 enfants. Joseph, aimé de son père, enfant chéri de son père, vendu par ses frères par jalousie, devient esclave. Va en Égypte, le plus grand empire, le plus grand régime de l'époque. Il va dans un pays vendu. Lui qui était intelligent, le fils de son papa, le fils de son père, le voilà maintenant vendu comme esclave. Comme esclave. Toute ta vie, tu seras esclave. La liberté, jamais, pas en Égypte. L'Égypte est un pays, est un empire militairement fort, technologiquement puissant. Ils sont capables. Et les Égyptiens sont des hommes hautement intelligents. Attention, s'il vous plaît. Hein. Les meilleures universités, c'était en Égypte. Hein. Ils étaient versés dans les sciences. Même les sciences occultes, ils étaient... C'est eux là qui nous ont donné toutes les sciences occultes d'aujourd'hui, là, les Égyptiens. Tout compliqué, là. Pourriture. Ferme la parenthèse. Quelqu'un me dit amen et je continue. Aujourd'hui encore, le monde scientifique regarde les prouesses, tout ce qui a été laissé depuis l'Égypte antique. Ils sont émerveillés. Les pyramides qu'on retrouve en Égypte, on dit, mais comment ils ont fait ça? Il y a plus de 1200 ans, ils ont fait comment? Quelle intelligence, quelle est cette intelligence qu'ils avaient? Ils étaient forts, militairement, technologiquement, industriellement. Ils étaient forts, très forts. Et voilà un esclave déporté là-bas en Égypte. Sans père, sans mère, seul, mais avec l'Éternel. Avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Mais mon point important, c'est que c'est une nation de gens hyper intelligents. Très, très instruits. Ils ont les meilleures académies. Les meilleures universités. Là-bas, ce n'est pas des doctorats. Là-bas, c'est des doctorats. C'est-à-dire quand tu as fait doctorat plus 1, plus 2, bac plus 10, bac plus 20. Le gars, il sort et il dit, ouais, je suis un doctorat. Rat. Que veux-tu savoir? Moi, le rat, je vais te l'expliquer. Ils étaient bons. Quelqu'un me dit amen. Mais Joseph n'avait rien. Esclave, inconnu, agriculteur, éleveur. Petit, tu connais quoi? Joseph. Mais Joseph avait une particularité. Même quand on l'a vendu, il connaissait Dieu. Il était attaché à Dieu. En fait, la clé de toutes les clés, je vous dis, c'est la communion avec Dieu et la puissance de Dieu. Joseph était attaché à Dieu. Et quand Dieu a permis qu'il soit déporté là-bas, il était tellement attaché à Dieu que Dieu a déversé sur lui son onction. Et l'onction qui a été déversée sur Joseph lui a donné des capacités mentales surnaturelles. Au-delà de toutes les limites humaines ou naturelles, Joseph avait reçu quelque chose de la part de Dieu qui était tellement fort que cela se voyait. Quand tu as l'onction, même si tu es esclave, on verra que tu as l'onction. On verra. Déjà, de la maison où il était Potiphar, c'est la maison de Potiphar. Le gars Potiphar le voit, il dit, mais l'enfant là, c'est un esclave. Mais Anna, il a quelque chose de plus que mes autres esclaves. C'est l'onction qui te démarque. Dis-moi amen. Dis-moi Seigneur, je veux l'onction. Déjà dans la maison de Potiphar, il était distingué. Pas parce qu'il était intelligent, parce qu'il était dans un milieu de gens hyper intelligents. Mais il avait reçu une onction qui lui donnait une connaissance, une intelligence supérieure, hors norme par rapport aux autres. Quelqu'un me dit amen. Dieu lui a donné une capacité extraordinaire. C'était l'onction, l'onction.
Et l'onction a fait qu'un jour, il se retrouve devant Pharaon. Pharaon qui fait un cauchemar, qui fait un rêve, qui ne comprend pas. Il a besoin que quelqu'un le lui explique. Et dans tout l'empire, des gens hautement doctorarisés, hautement masterisés, hautement ingénieurisés, et BTSérisés, et baccazolés réalisés, s'il vous plaît, ou collégialisés pour le BMG ou le BPC, je ne sais pas comment on appelle ça de nos jours. Bah, je ne suis plus dans ces genres de choses. Alléluia. Le Seigneur m'a délivré de l'école. Puis-je continuer, s'il vous plaît? Dans ce monde bizarre, personne n'arrive à expliquer au roi le songe qu'il a fait. Alors Joseph, l'onction était sur Joseph. Joseph va voir le roi, on l'emmène chez le roi. Joseph dit au roi, il donne au roi d'abord le songe, il donne d'abord au roi, à Pharaon, le songe que Pharaon a fait. Ensuite, il lui explique, ce qui n'est pas évident, quelqu'un me dit amen. Parce que tu peux voir un songe de quelqu'un, mais ne pas être capable de lui expliquer. Donc il voit le songe que le gars a fait, parce que l'onction est sur lui, lui rend capable de voir ce que les autres ne voient pas. Et il est capable d'expliquer le songe. Non seulement il explique le songe à Pharaon, maintenant il crée sa société instantanément, Joseph Consultant. Joseph Consultant maintenant lui dit, Majesté, permettez que je vous donne un conseil gratuit, monnayable si vous voulez, mais moi je suis esclave. Alors il dit, Majesté, faites ceci. Il reste 14 années, 7 années d'abondance, 7 années de famine ensuite. Alors il faut que le pays tout entier, il faut qu'on ouvre des garnisons, qu'on ouvre des entrepôts, qu'on ouvre des hangars dans toute l'Égypte. Il faut mobiliser 20% de la richesse, 20% de la production, 20% des récoltes doivent être épargnés. Il met en place un système économique que les économistes aujourd'hui utilisent, 20% épargnés, 20%. Sur 14 années. Il dit comme ça, quand le temps de la famine va venir, on ne sentira pas la famine. Est-ce que tu sais qu'il y a des moments où la famine vient, tu ne la sens pas? Quelqu'un me dit amen. Il dit pour 14 ans et au-delà. Et effectivement, et après, quand il donne l'explication au roi, quand il donne la solution au roi, le roi dit, Genèse 41, verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, et ses serviteurs, ce sont des gens hautement compétents, hautement érudits, ce sont des intellectuels, ce sont des spécialistes, ce sont des docteurs. Alors Pharaon dit à ses serviteurs, devant cet esclave, mais l'esclave a l'onction, il dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui, l'esprit de... C'est ça qu'il a qualifié. Quelqu'un me dit, oh Saint-Esprit. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, écoutez ce qu'il dit. Dans un empire aussi hautement intellectuel, il dit, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui l'a rendu aussi intelligent, aussi sage? C'est l'onction. Quelqu'un me dit amen. Après maintenant, verset 40, Pharaon lui dit, c'est une conséquence, je t'établis sur ma maison. Tout mon peuple obéira à tes ordres, même si tu es un esclave. Mais tu es trop fort, tu es distingué. Je ne regarde même plus ton côté esclave, parce qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin en toi. L'onction là, j'en ai besoin. Quelqu'un me dit amen. Alors, il dit, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph, vois. Ça, j'aime ça. Je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. À partir d'aujourd'hui, tu es le commandant en chef. Je vous ai dit, l'onction te met aux commandes. Quel que soit le domaine dans lequel quand tu as l'onction de Dieu dans un domaine, tu domines. Sans faire exprès, tu te distingues. Sans faire exprès, on va venir. Est-ce que vous avez vu Joseph en train de dire, Pharaon, j'ai un CV. Je cherche un emploi, papa. J'ai vu une promotion, une élévation. Oh, papa, élevez-moi. Je cherche le boulot. Hey, vraiment, regarde, je m'imagine. Papa, donne-moi le boulot. Vraiment, parce que Moussala. Tu n'as pas besoin de faire ça quand tu as l'onction. Quand tu as l'onction, on te cherchera. Et j'ai dit, on te cherchera. Ouais, ton voisin n'aime pas ce que je suis en train de dire, je le sais. Mais je vous assure, je vous en supplie, écoutez, c'est la vérité. La raison de tes souffrances, toi, tes va-et-vient, tu cherches, c'est parce qu'il te manque quelque chose. Mais il faut être assez humble pour reconnaître que là, Seigneur, je dois aller à la montagne chercher Dieu. J'ai besoin de l'onction. Quelqu'un me dit amen.
tu as déjà la présence de Dieu, mais il te faut la puissance de Dieu. Et c'est parce que tu n'as pas la puissance que tu vois, tu rames, tu piétines, tu baves, tu souffres. Le Saint-Esprit m'a dit, mon peuple souffre. Il a ma présence, mais il n'a pas ma puissance. Et ma puissance, pour l'avoir, il y a un prix à payer. Ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer, sinon tout le monde l'aurait. Et il dit, je veux que dans la famille dans laquelle vous êtes, tout le monde reçoive l'onction. Voilà pourquoi il m'a dit, parle de l'onction, parle des effets de l'onction. Il faut qu'il désire. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Je réponds à la soif. Je réponds à la faim. Montre-moi que tu me veux. Montre-moi que tu en veux. Montre-moi que tu désires. Ce n'est pas, Seigneur, si tu veux, tu donnes. Si tu ne veux pas, que ton nom soit... Non! Il dit, va de ma présence. Soupire, cherche-moi. Quelqu'un me dit amen. L'onction a mis Joseph aux commandes du pays. Je déclare que l'onction qui vient sur toi va te mettre aux commandes dans ton domaine. Tu seras en commande dans ton domaine. Tu ne subiras rien. Tu étais esclave, tu étais jeune, tu étais vieux. On ne regardera pas tous ces critères parce que l'onction ne considère pas tous ces critères. L'onction, c'est la puissance de Dieu et tu es capable de faire des choses extraordinaires. Ça, c'est l'onction. Quelqu'un me dit amen et je continue. Daniel, un autre juif, captif, déporté de Juda, enfant de noblesse, c'est vrai, d'une famille noble. Mais quand Nebuchadnezzar, l'empereur de Babylone, le roi de Babylone, c'est le grand empire babylonien. Il y a eu quatre grands empires qui ont secoué le monde. L'empire de Babylone, l'empire des Médès et des Perses, l'empire grec d'Alexandre le Grand et l'empire romain. Mais le premier grand empire, c'était l'empire de Babylone, de Nebuchadnezzar. Il a conquis le monde entier. Et il avait une spécificité. Quand il allait conquérir, il volait, il pillait les pays. Mais il prenait les ressources humaines. Il essayait de voir qui étaient les gens qu'on pouvait utiliser dans l'empire. Exactement ce que les autres, les Occidentaux, ont fait quand ils sont venus prendre les Africains. D'autres étaient esclaves de misère, d'autres étaient des esclaves de luxe. Est-ce que quelqu'un me suit ? Nebuchadnezzar, ils ont récupéré un homme qu'on appelait Daniel, avec ses compagnons Daniel, Anania, Micha et Azaria. Quatre Hébreux. Et dès qu'ils sont arrivés dans la ville de... Dès qu'ils sont arrivés dans le pays de Nebuchadnezzar, ils ont été présélectionnés pour être mis à disposition au service de Sa Majesté le Roi. Et la première chose qu'on leur a proposé, c'est de les corrompre pour qu'ils se conforment au monde. On dit, bon, petit, vous êtes maintenant ici. Bon, vos parents vous ont abandonné, on a pris votre pays. Ben non, bon, voilà nos dieux, nos idoles, nos repas, nos nourritures. Mangez, mangez, conformez-vous à nos règles. Vous êtes dans le monde ici, hein. Ils ont dit, non, on ne peut pas se conformer. Il y a quelqu'un qui aurait dit, wouh, on ne me voit plus. Papa n'est pas là, maman n'est pas là, pasteur n'est pas là. Chut, allons-y, profitons. Non, il a dit, non, 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 Dieu est là. Dieu est là, on ne peut pas. On refuse. Ils ont refusé de se conformer au monde. Ils ont préféré obéir à Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est ce que tu dois toujours faire. Amen. Quel que soit le prix à payer, obéis à Dieu. Je n'ai pas entendu, amen. Amen. Et à cause de l'obéissance, la Bible dit dans Daniel 1, verset 17, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la connaissance, de la science donc, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par les rois pour les lui emmener, le chef du personnel ou le chef des eunuques les emmena en présence de Nebuchadnezzar, le roi. Le roi s'entretint avec les quatre. Et parmi tous ces jeunes gens qui avaient été emmenés dans la maison du roi, il ne s'en trouva aucun. Quelqu'un me dit aucun. Comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent donc au service de Sa Majesté, le roi. Et en parenthèse, ces trois jeunes gens étaient des gens qui craignaient Dieu. Le roi ne connaissait pas Dieu. Le roi ne connaissait pas du tout Dieu. C'était même le contraire. Qu'importe, ils étaient au service de Sa Majesté, le roi. Quelqu'un me dit amen. Et sur tous les sujets, verset 20, qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels les rois les interrogeaient, ils les trouvaient 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tous ces royaumes. L'onction les a distingués. Le roi les a remarqués. L'onction les a distingués. Pourquoi ? L'onction marche, frère. Tu as besoin de l'onction. Quelqu'un me dit amen.
L'onction leur a conféré une intelligence hors norme au milieu de tous les hauts responsables du pays, de tous les hauts ministres du pays, de tous les hauts gradés du pays. Qu'est-ce qui fait la différence? L'onction qui est sur ta vie. Esclave, donc par défaut déjà éliminé, l'onction te requalifie. Dans Daniel chapitre 6, verset 1, il est écrit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume. Ça, c'était le prochain roi. Celui qui a remplacé maintenant Nebuchadnezzar, le roi des Médès et des Perses. Un autre roi arrive. Logiquement, quand notre roi arrive, en général, c'est le chamboulement, les changements, tu vois. Les gens se battent pour les postes, les fonctions. On dit, oulala, maintenant, le régime a changé. Comment on va faire? Comment on va perdre nos avantages? Écoute-moi bien, si parle le Seigneur. Quand tu as l'onction, toi là, tu es indéboulonnable. Quand tu as l'onction, c'est pas toi qui... Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Laisse l'onction parler à ta place. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon petit amen ici, là? Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nom desquels était Daniel afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Voilà le roi qui organise le royaume des Médès et des Perses qui vient de conquérir Nebuchadnezzar. Il divise l'empire en 120 régions administratives. Et il nomme 120 gouverneurs. Et au-dessus des 120 gouverneurs, le roi Nebuchadnezzar nomme 3 ministres d'État qui ont la responsabilité de gérer les 120 gouverneurs pour le compte du roi. Donc les 120 chefs sont gérés par 3 hauts chefs. Et la Bible dit au verset 3, à cause de l'onction, quelqu'un me dit l'onction, quelqu'un me dit l'onction, à cause de l'onction, de la capacité surnaturelle du Saint-Esprit en lui. Daniel surpassait les chefs, les 2 autres chefs et les satrapes, donc tous les gouverneurs, parce qu'il y avait en lui, un esprit supérieur. Qui? D'où vient cet esprit supérieur? De la capacité du Saint-Esprit en lui. Frère, le Saint-Esprit veut rendre capable des frères, des sœurs ici pour faire des exploits, donner une intelligence hors norme dans ce Congo-Brazzaville, pour que du Congo-Brazzaville sortent des gens ingénieux, des créateurs, des inventeurs, des gens capables. C'est la volonté de Dieu. Je l'aurais dit au premier culte, je le dis brièvement. Quand vous regardez l'histoire du monde, l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Occident, qu'est-ce que vous apprenez? Vous apprenez que le monde dans lequel on est, faut lire un peu l'histoire. Entre au 5e siècle, dans les années 400, entre le 5e siècle et 1500 à peu près, 1400 environ, donc entre le 5e siècle et le 15e siècle, c'était les ténèbres sur toute la terre. Avant le 5e siècle, l'Église était crainte. Les gens respectaient l'Église. Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit s'était répandue jusqu'à Rome. Le Saint-Esprit opérait des miracles partout. Quand l'Église se présentait, les gens avaient peur. Les gens craignaient l'Église. On craignait l'Église. On craignait les frères et les sœurs en Christ. Pourquoi? Parce que l'onction était sur eux. Mais après le conseil de Nicée, dans les années 400, on est rentré dans ce qu'on appelle l'âge noir de l'Église. Lorsque la papauté, lorsque l'Église est devenue une religion d'État, ça a détruit le christianisme, ça a détruit la chrétienté. Quoi? La religion d'État. L'Église, à la suite de la conversion de Constantin, a été érigée en religion d'État. Désormais, tout le monde doit se faire baptiser au nom de l'empereur. C'est un ordre. Arrosez-les. On baptisait les foules avec de l'eau. C'est quoi cette histoire-là? Quand la religion est rentrée là, la religion a tout gâté. Est-ce que quelqu'un me suit? Faut aller lire. Allez lire l'histoire. Et du 5e siècle jusqu'au 15e siècle, c'était les ténèbres sur la terre. Personne ne brillait. Il n'y avait pas de Bible. Les parchemins étaient cachés. À l'époque, on écrivait dans les parchemins. Mais au 15e siècle, c'est passé 2 choses majeures. Un homme qu'on appelle Gutenberg a eu un enfant né de nouveau, s'il vous plaît. Né de nouveau, Gutenberg. Il a créé ce qu'on appelle l'imprimerie. À l'époque, on écrivait sur des parchemins. Et depuis Gutenberg, au 15e siècle, l'imprimerie a été créée. On était maintenant capable d'écrire, d'imprimer des livres. D'imprimer. Et c'est Gutenberg qui a fait la première Bible.
Mais dans la même période, quelques temps après, un homme qu'on appelle Martin Luther, le réformateur, un moine catholique, s'il vous plaît. Mais cet homme, Martin Luther, a reçu une visitation. Le Saint-Esprit descendu sur lui. 15e siècle, Martin Luther a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ouvert ses yeux. Martin Luther est rentré en rébellion contre le système religieux, contre la papauté. Il a dit non, tout ce qu'on enseigne là, le purgatoire, les célibats des prêtres, tout ça là, il dit c'est écrit nulle part. Il dit, et puis ils ont mis en place un système qu'on appelait concentré sur la parole. Le mot latin, je ne connais plus, mais c'était tout seulement les Écritures, rien d'autre que les Écritures. Donnons le pouvoir aux Écritures, parce que la parole parle par elle-même. Parce qu'au commencement était la parole. Martin Luther a remis au cœur des gens la passion de s'intéresser, de chercher Dieu. Non plus de chercher les dogmes, les traditions, les rituels, mais de chercher le cœur de Dieu. Martin Luther a été convoqué à la papauté. Il a été excommunié. Il a dit, tant pis, m'en vais. D'ailleurs, je suis content de m'en aller. M'en vais. Et c'est par là qu'est née la réforme protestante. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi? Le Saint-Esprit a commencé à se déployer à travers un homme. Et après Martin Luther, les gens calvins en France ont été contaminés, touchés par le Saint-Esprit. Et c'est dans la même période, qu'on ne vous dise pas le contraire, c'est dans la même période que la Bible a été traduite et imprimée en allemand. Et ça a été le début du réveil spirituel. Parce que les gens, quand ils ont commencé à relire les Écritures, lire la Bible qui n'était pas imprimée, la Bible a commencé à être répandue dans les foyers, dans les maisons. Maintenant, les gens avaient des Bibles. Aujourd'hui, les gens ont des Bibles partout. Ça ne change pas leur vie. À l'époque, les gens avaient soif d'avoir des Bibles. On tuait pour avoir des Bibles. Parce que c'était la parole infalsifiable, infaillible du Dieu vivant. Et transformer les cœurs quand on prenait les paroles au sérieux. Et c'est là quand les Bibles ont commencé à se répandre en Allemagne, gagner la France, les gens commençaient à avoir les yeux ouverts, les gens commençaient à méditer la parole, le Saint-Esprit descendait, l'onction de Dieu descendait sur les croyants, l'onction de Dieu saisissait les croyants. Et c'est là qu'on a eu ce qu'on appelle la Renaissance, le siècle des inventions. Qui a inventé toutes les inventions? C'était les chrétiens, nés de nouveau, les protestants. Les protestants. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lisez, c'est dans l'histoire. Les protestants. Qui a inventé le bateau? C'était les protestants, nés de nouveau. Qui a inventé l'avion? Les frères Wright, enfants de pasteurs. Les télégraphes, c'est qui? Les chrétiens, nés de nouveau. La pénicilline, chrétien, nés de nouveau. Lui, pasteur, qui a inventé le vaccin, chrétien, nés de nouveau. C'était les gars, nés de nouveau. La radio, la télévision, nés de nouveau. Mais qu'est-ce qui leur a pris? Comment ont-ils pu se retrouver? On est passé d'un siècle noir à un siècle de lumière. On a quitté donc le Moyen-Âge. On est rentré dans ce qu'on appelait l'âge moderne. Mais l'âge moderne a commencé comment? Lorsque le Saint-Esprit... C'est là que l'Europe a été évangélisée par les protestants. Je n'ai pas envie de faire la guerre entre catholiques et protestants. Je vous dis simplement l'histoire. Allez lire, vérifiez. Lisez l'histoire de l'Église. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Lisez vous-même. Quelqu'un me dit amen. Les lui pasteurs, c'était des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient l'onction sur eux. Mais ils étaient là. Ils voyaient les gens mourir de la rage. La rage était en train de faire des dégâts. Il n'y avait pas de vaccin. Il n'y avait pas de remède. Alors ils allaient devant le trône de Dieu et disaient, Dieu, sauve-nous. Dieu, utilise-moi dans ma génération pour que ma vie compte sur cette terre. Sers-toi de moi. Si personne n'est disponible, sers-toi de moi pour résoudre ces problèmes de rage, ces problèmes de maladie. Il a eu une intelligence surnaturelle. Il a créé le vaccin. Il a créé beaucoup d'inventions. Lui, pasteur, il faut lire. Quand le Saint-Esprit descend, il renouvelle l'intelligence. Il fait des choses extraordinaires. Qui? Le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Mais il a fait avec Daniel. Il a fait avec Joseph. Je déclare qu'il le fera avec toi. On te disait bête. Pas de problème. Un conseil, mon frère, ne te justifie pas auprès des gens. Ne va pas dire, il faut que je fasse un bac plus 10 mois aussi. Hein. Papa, cherche le Saint-Esprit et son onction. Cherche le Saint-Esprit et son onction. Quelqu'un me dit amen. Moi, je rêve de ce jour où de ce pays, petit pays d'Afrique centrale,
sortiront des chercheurs, des inventeurs, des créateurs, des gens qui vont réaliser des plus grands exploits qu'on va exporter dans le monde entier. On dira Made in Congo. Oh. Pourquoi on dira ces choses? Parce qu'on dira que de là, le Saint-Esprit a tellement saisi les gens. L'onction de Dieu a tellement saisi les gens. Ils sont méconnaissables. Ce ne sont plus eux. C'est comme s'ils sont maintenant différents. Oui, c'est l'onction qui fait la différence. Mon frère, je t'en supplie, crois seulement. Ne cherche pas des raccourcis, crois seulement. Ces gens-là, tu vois, n'ont pas eu besoin de négocier les promotions, discuter, se battre, négocier des postes. Oh, mais c'est, nommez-moi. Mon père, je vois mon peuple comme un homme là-bas. Quand tu es revêtu de l'onction, c'est l'onction qui te nomme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis, Seigneur, donne-moi l'onction. Non, dis Seigneur, donne-moi l'onction. Dis Seigneur, que ma vie soit utile dans cette génération. Et quand tu l'as dit, soupire après l'onction. Il va te donner l'onction. Dans un domaine précis, tu seras méconnaissable. J'ai dit que tu seras méconnaissable. Je suis en train de te parler de cette manière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, il faut qu'il désire. Donc, je te donne les effets pour que tu comprennes que sans l'onction, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu vas ramer, mais avec l'onction, tout est accéléré. Regardons un autre cas. Élie, un prophète, serviteur du Dieu Très-Haut. Élie, chez la veuve de Sarepta. On ne connaît pas son prénom, on sait seulement qu'elle est veuve de Sarepta. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. Je vous restitue le contexte. Nous sommes dans une période de sécheresse, dans tout, de crise, de famine dans tout le pays d'Israël. Élie se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau la vieille dame et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et moi. Après, on va mourir. Oh. Nous le mangerons, après nous allons mourir. Donc, chef, dans 24 heures, mon fils et moi, on est morts. Tu m'entends? Tu entends, homme de Dieu, tu entends? Et lui dit, n'aie pas peur. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi ensuite. Ensuite, tu en feras pour ton fils et toi. Il met sa foi à l'épreuve extrême. Il est en train de tester sa foi jusqu'à son maximum. Après, il dit, en effet, ça c'est ce que j'aime. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine, qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. La dame partit, la vieille partit. Elle se conforma à la parole d'Élie. Elle a décidé donc d'obéir à la parole d'Élie. Elle a décidé sciemment d'obéir. Elle aurait pu désobéir. Quelqu'un me dit amen. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. Verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole de l'Éternel, que l'Éternel avait prononcée par la bouche de son serviteur Élie. Mon frère, ma soeur, tout le pays d'Israël est en crise. Dans le pays d'Israël, il y a une petite ville, un petit village qu'on appelle Sarepta. Une petite bourgade qu'on appelle Sarepta. Tout le pays est en crise. C'est la crise financière. C'est la crise alimentaire. C'est la crise de l'emploi. Le chômage, tu comprends? Le chômage. Quelqu'un me dit chômage. Non, là, tu dis ça avec un air un peu solennel. Gars, ça n'a rien de solennel, le chômage. Quelqu'un me dit le chômage. Voilà. Il y avait le chômage dans le pays. Tout le monde galérait. Élie rentre. Dans tout le pays, c'est le chômage. Quand Élie rentre à Sarepta, c'est encore le chômage. C'est encore la crise. Et là, maman lui dit, papa, on va, on mange. Dans 24 heures, moi, je suis parti. Oh. Si tu veux manger, je ne sais pas manger. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. À partir de ce jour-là, la famine, la farine ne diminue pas, l'huile ne diminue pas. Sous-entendu, tu auras à manger à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'il pleuve, jusqu'à ce que la pluie tombe dans le pays. Regarde. Un homme qui a l'onction, Élie avait l'onction. Et quand il a l'onction, il vient dans la ville. Tant qu'il n'a pas parlé, rien ne se passe.
Mais dès l'instant où Élie parle, à partir du moment où loin parle, les choses se passent. Quelqu'un me dit amen. Tu vois, logiquement, je vous dis ça parce qu'il y a plein de gens, ils ont l'onction, mais ils n'ont pas la foi pour changer toutes les circonstances. Ils pensent qu'il faut seulement guérir les malades, guérir les, ressusciter les morts. Non, frère, l'onction est valable partout. En fonction de la grâce que tu as, l'onction est utile dans tous les domaines. Il rentre dans la maison de quelqu'un qui est en train de mourir. La mort dit, ah, excusez-moi, j'étais prêt à venir frapper demain. Bon, mais là, je suis obligé de faire marche arrière. Pardonnez-moi, je m'en vais. Quand il rentre dans la maison de la veuve, la Bible dit, l'abondance est rentrée dans la maison. Quand Élie a parlé, ainsi parle l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, la famine est terminée. Donc tout le pays a la famine. Mais là où se trouve celui qui a l'onction, il n'y a pas la famine. Là où se trouve celui qui a l'onction, il n'y a pas la famine. Écoute-moi, ton problème, ce n'est pas un problème de chômage. Quel chômage? Le chômage n'est pas le problème. Le manque d'argent n'est pas le problème. Je t'en supplie, écoute-moi. Le problème, c'est l'onction et c'est la foi. Ton problème, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas assez de foi et surtout, tu n'as pas la puissance pour créer, pour changer les circonstances. L'onction te mettra aux commandes. Oh, quelqu'un me dit amen. Quand l'onction vient sur toi, papa, tu ne subiras pas. Écoute, quand l'onction est sur toi, tu rentres dans une entreprise qui est en faillite, où il n'y a pas de revenus, à cause de toi, là, l'abondance va rentrer. Je dis que l'abondance va rentrer. Tu travailles dans une boîte, on dit, ouais, la boîte est en faillite. Tu dis, ah, on vient de m'employer. Famine, dégage. Au nom de Jésus-Christ, famine, tu pars. Ici, je viens d'avoir un travail, j'apporte l'abondance ici. J'incarne l'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là où je suis là, je ne manquerai de rien. On me dit, ma maison est en crise. Quand tu rentreras quelque part, tu apporteras l'abondance. Est-ce que tu vois les effets de l'onction? À cause de l'onction, la mort dit, je m'en vais. Et à cause de l'onction, la famine dit, ah, aïe, aïe, aïe. On nous amène l'abondance ici, là. C'est une parole qui a amené l'abondance. Mais une parole de celui qui a l'onction. Dis, je veux l'onction. Quand tu as l'onction, fais attention à tes paroles. Dis-moi amen. Les effets de l'onction. Regardez les effets de l'onction sur Élisée. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Élisée part. Élisée est le prophète de l'Éternel, loin de l'Éternel. Élisée arrive dans une ville qu'on appelle la ville de Jéricho. Dès qu'il rentre dans la ville, les habitants de la ville viennent dire à Élisée, la ville est bien située, c'est un bon pays, c'est une bonne ville, comme tu le vois mon Seigneur. Mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Autrement dit, les eaux sont polluées et la terre est infertile. La terre n'est pas cultivable. La terre ne produit rien. Voilà la situation. Toi qui as l'onction, qu'est-ce que tu dis? Notre ville, c'est une ville qui est maudite. Notre ville est maudite. Il n'y a rien. Les eaux sont polluées. On ne peut rien faire. Et la terre, là, il n'y a rien. Alors, logiquement, il doit dire, ah, bah, écoutez, je m'en vais dans une autre ville. Hein. Oh, prions. Non. Il a l'onction. Quand tu as l'onction, tu domines sur les circonstances. Quand tu as l'onction, tu ne subis pas. Tu imposes les standards divins. Quelqu'un me dit amen. Quand tu as l'onction, il y a comme une capacité surnaturelle qui vient sur toi et qui te rend capable de produire des résultats à cause de l'onction. À cause de l'onction qui reposait sur lui. Il a fait juste une chose. Il a dit, apportez-moi un plat neuf. « Mettez-y du sel. » Ils le lui apportèrent. Élisée alla vers la source d'eau. Il jeta du sel et il dit. Ça, c'est le plus important là, c'est ce qu'il a dit. « Ainsi parle l'Éternel. Je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. » À cause de l'onction et des paroles proclamées par celui qui avait l'onction, une ville qu'on disait maudite a été transformée en une ville qu'on a dit bénie. Je déclare, à cause de l'onction qui vient sur toi, partout où tu habiteras, partout où tu iras, le lieu sera changé en un lieu de bénédiction.
à cause de l'onction. Ce n'est pas ma parole, c'est à cause de l'onction qui vient sur toi. Voilà pourquoi je vous dis, arrêtez de maudire le pays. Arrêtez de maudire la ville. Ceux qui ont l'onction ne maudissent pas parce qu'ils savent que quand ils maudissent, la parole s'accomplit. Bénissez le pays. Bénissez la ville. Il y a les paroles. Jésus, l'apôtre Paul dit que l'évangile est une puissance. Que les paroles sont comme un marteau qui brise le roc. Que la parole est une épée à double tranchant. Toutes les fois que tu utilises la parole sur la ville, c'est pour la détruire ou la construire. Peu importe ce qui s'y passe, parle les paroles de Dieu. Tu sais pourquoi? Parle seulement. Plus tu parles sur le pays, plus tu parles dans la ville, plus tu parles dans le village, plus tu parles, plus tu es en train d'abattre des forteresses. Parce que la parole est comme un marteau. Dans le visible, rien ne se passe. Mais dans l'invisible, tes paroles sont en train de créer des dégâts. C'est les paroles de l'onction. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen ici. À cause de toi et de l'onction qui repose sur toi, Dieu veut bénir une ville. Dieu veut bénir un quartier. Dieu veut bénir un village. Dieu veut bénir un pays. Alors imaginez, si à cause de la parole de un ou un, Dieu a béni toute une ville, combien, à plus forte raison, à cause de la parole de plusieurs ou un de Dieu qui prophétisent sur le pays, qui parlent du bien de la ville. Oh, à force de parler, il va y avoir un vent qui peut venir balayer ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Pour établir ce qu'on appelle la domination de Christ, c'est par nos paroles. Dites-moi amen. Bénissez le pays. Bénissez la région. Arrêtez de maudire le pays. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ce sont les effets de l'onction. C'est ce que l'onction est capable de faire. Et je peux vous donner beaucoup d'histoires comme ça là. La vie de Samarie, pareil. 2 Rois 6, verset 24 à 7. Verset 24 à chapitre 6. Chapitre 7, verset 20. Une autre ville qu'on appelle la ville de la Samarie était assiégée. Était assiégée par des méchants. À cause de la parole d'un homme qui est oint, le siège de toute une ville a été brisé. À cause de la parole. Notre problème, ce n'est pas un problème que nous n'avons pas le Seigneur. Nous avons le Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Notre problème, c'est un manque de puissance. Soyez humble, reconnaissant qu'il faut aller chercher la source de puissance, le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la puissance. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit dit. Il faut que tu sois conscient de cela. Ce n'est pas par la force ni la puissance. Sois conscient de cela. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Tu dois être conscient de cela. Ni la puissance. Réfléchis à ces paroles. Qui t'a dit que les diplômes étaient ce qui qualifiait? Qui t'a dit que ton nom de famille te qualifiait? Ce n'est pas par la force. Ni les diplômes, ni la puissance. Les efforts personnels, les résolutions personnelles. Mais, dit Dieu, par mon esprit, dire. Ce n'est pas par la force. Sois-en conscient maintenant. Il faut que tu sois conscient de cela. Mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, pas par tes capacités. Tu n'y arriveras pas par toi-même. Mais il te faut l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance. Je le reconnais ce matin, mais par mon nez, le Saint-Esprit te parle. Tu voulais faire telle ou telle chose. Tu ne peux pas le faire par tes forces. Ce n'est pas par la force, ni la puissance,
ni ta puissance personnelle. Non, non, non. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, pas par la force, pas par les capacités humaines, pas par les aptitudes humaines. Dieu dit, c'est par l'onction, l'onction, l'onction de Dieu. Par mon esprit, dis-le. Cette montagne se déplacera. Cette montagne, ces situations, ces challenges, ces maladies, ces difficultés, ces échecs, cette pauvreté, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit Dieu, parle ce matin, il dit cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Ah, cette montagne se déplacera. Quelles sont ces montagnes? Par mon esprit, dit le Seigneur. Je vous demande de bien vouloir vous mettre debout pour ceux qui le veulent et lever vos mains en l'air. Une main ou les deux mains en l'air, simplement là où tu es. Le Saint-Esprit dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent, premièrement. Par ceux qui me cherchent de tout leur cœur qui me désire. Leur cœur qui soupire après moi, comme un enfant soupire après son père, comme un enfant soupire après son papa, comme un enfant soupire après son bien-aimé père ou sa bien-aimée mère. Dieu dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent, comme une épouse soupire après son époux, comme un époux soupire après son épouse. C'est une relation intime et personnelle, c'est une relation intime, romantique, entre l'époux et son épouse, entre l'épouse et son époux, dit le Seigneur. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent, aspire à me chercher, cherche-moi. Je me laisse trouver si tu me cherches de tout ton cœur, dit le Seigneur. Seigneur, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Deuxièmement, le Seigneur dit, je réponds à la soif. Est-ce que tu as soif dans ton cœur? Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix du sommeil? Es-tu prêt à payer le prix des sacrifices? Les prix de l'absence des visites, de l'absence de sorties? Parce que je ne me déverse que sur ceux qui me cherchent, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, je libère ma puissance. Ma puissance ne s'accomplit que, ne se libère que dans la pureté. Es-tu prêt à accepter de marcher dans la pureté, dans la sainteté de Dieu, dans la transparence, la lumière de Dieu? Mets tes mains en l'air là où tu te trouves. Lève tes mains simplement là où tu te trouves. Seigneur, me voici. Seigneur, nous voici comme un seul homme. Esprit du Dieu vivant. Tu as dit, je réponds à la soif. Il y a ici quelqu'un qui a soif de toi. Il y a ici quelqu'un qui est déjà prêt. Il y a ici quelqu'un qui est déjà disposé à recevoir l'onction. Même si nous n'avons pas encore tout dit, Père, mais il y a quelqu'un, il y a un vase qui est déjà prêt, qui a besoin de l'onction, qui n'a pas envie d'avoir l'onction pour lui-même, mais qui a envie d'obéir au commandement de Dieu qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais toi, tu dis, je ne sais pas comment il faut parler. Mon cœur bout pour aller parler de Jésus aux autres. Mais je ne sais pas quoi leur dire. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas quand le dire. Et parfois, je suis effrayé par les situations que je rencontre devant moi. Je ne sais pas quoi faire. Le Saint-Esprit dit, ton cœur est disposé. Maintenant, reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois une fraîche onction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu touche maintenant. L'Esprit de Dieu touche maintenant. Il se mouvoit maintenant. Il répond à la faim. Il répond à la soif. Magnifique Esprit de Dieu, manifeste-toi. Reçois le Saint-Esprit. C'est ici la promesse de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Il rafraîchit. Il voit ton cœur qui bat pour aller annoncer l'évangile. Ce n'est pas pour que tu sois vu, pas pour que tu sois entendu, mais tu cherches un homme.
Il cherche une femme qui va se lever dans le pays. Qu'importe ta race, ta taille, ta face, tes diplômes, qu'importe tes fonctions, tu es prêt à obéir, tu es prêt à accomplir la volonté de Dieu, tu es prêt à aller emmener le feu de Dieu. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Manifeste-toi, esprit de feu, manifeste-toi, remplis ces vases, manifeste-toi, magnifique Saint-Esprit. Reçois l'onction, mets en l'air simplement là où nous sommes. Seigneur, me voici, alors que tu chantes avec un cœur reconnaissant, avec un cœur disposé. Le Saint-Esprit n'a pas fini, le Saint-Esprit n'a pas fini. Il commence une œuvre. Jésus a attendu 30 ans, tu as attendu jusqu'à ce jour. C'est le jour de la puissance. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Magnifique, magnifique. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je te cherche, je te cherche, je te veux, je te désire. Seigneur, me voici, Seigneur, tel que je suis. Recevez, recevez l'onction. Magnifique Saint-Esprit. Il répond à la soif, il répond à ta soif, il répond. Tu avais peur d'y aller, tu avais peur de parler. Maintenant, Saint-Esprit, remplis ces vases de la puissance de ta force. Manifeste ta grâce, magnifique Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Soupire, mets tes mains en l'air. Je veux te toucher. Lève tes mains. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Seigneur, je m'humilie humblement. Onction de fraîche onction de Dieu. Fraîche onction de Dieu. Merci de ce que tu prépares ces bases. Seigneur, me voici. Magnifique. Touche, Esprit de Christ Jésus. Tu réponds à la soif, à la faim de ces cœurs. Ces cœurs sont assoiffés. Assoiffés. Esprit de guérison. Esprit de libération. Me voici, Seigneur. Je commande au nom de Jésus-Christ que ces chaînes qui t'empêchent d'honorer Dieu, qui t'empêchent de marcher avec Dieu, soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Onction, me voici. Seigneur, j'ai répondu, je réponds à ta parole, j'ai entendu ta voix. Donne-moi la faim, donne-moi la soif, être touché. Seigneur, Seigneur, me voici. Humblement, je viens humblement. J'ai besoin de toi. Je veux toucher Dieu. Une dernière fois, Seigneur, 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 me vois. Il répond à la soif. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es désireux? Dis-lui, ranime la flamme, ranime le feu. Dis-lui, ranime le feu. Ranime, Seigneur, me voici. Dis-lui, ranime. Dis-lui, ranime en moi le feu. Ranime en moi le zèle. Ranime en moi la passion de Dieu. Hey! Et passionné par Dieu. Seigneur, me voici. Seigneur, invoque-le maintenant. Dis-lui de ranimer. Ranime la ferveur, ranime la soif, ranime le zèle, ranime le zèle. Chante, chantons. Oh, oh, allez. C'est comme cela qu'on doit écrire ton histoire. C'est louange, c'est honneur, c'est gloire. Chantons. Témoignage, louange à Dieu. Quand on te verra, on dira louange à Dieu, on dira gloire à Dieu pour ce frère, gloire à Dieu pour cette femme. J'en dirai chante, magnifique onction de Dieu, magnifique. Alléluia. Notre Père. Alléluia. Notre Père. Kamashura deskalo le rakabasorai. Maikato lebrosko ne libraisho.
Laikai chai le rondo sai mantelebrai. Oh ragini basai delebro. Laikai toko rabaya sam. Likamase leto raba. Mantelebro. Laikai ashora kabaya sabante. Sama yantaya rotobosa. Lekabaya rabobosa. Likata rabaya korabaya. Onction de Dieu, Maïka Ribanosa, Likabayaso, Limantele, Lirababosa, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, Libakosho, Makosho Rabaka. Onction de Dieu. Magnifique onction de Dieu. Touche ces vases. Baptise-les de feu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il baptisera de feu, Esprit du Dieu vivant. Makasho Rabakaisa. Libakosho Rabakaitere. Libakoso Rabakayashain de Kobosa. Shoraka. Dans cette salle, dans cet auditorium ce matin, Savanteka. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Cet enseignement pour toi est vain et inutile parce que tu n'es même pas encore né de nouveau. Tu n'as même pas encore franchi la première étape, la nouvelle naissance. Si tu es là, je sais que tu entends le son de ma voix. Je sais que dans ton cœur, tu te poses beaucoup de questions. Ce n'est pas une religion que nous prêchons. C'est le royaume des cieux que nous prêchons. Le Saint-Esprit dit, c'est aujourd'hui le jour de ton salut. C'est aujourd'hui qu'il veut te faire entrer dans la famille. Là où tu es, quitte les rangées. Pardon. Et viens devant. Je ne parle pas à tout le monde, je parle juste à celui qui n'est pas encore né de nouveau. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore rencontré Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et le Saint-Esprit t'appelle maintenant. Le Saint-Esprit t'appelle maintenant. Maintenant. Il ne regarde pas à ton âge. Merci, mon frère. Approche-toi devant. Il y a encore quelqu'un d'autre qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Dieu veut sauver aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Plaît. Dieu veut sauver aujourd'hui. Kamasho rabaka indidi brokosha, lima santo lo brokosha. Il n'y a pas qu'une, il n'y a pas que ce frère bien-aimé qui est devant. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce que tu déverses. Merci pour ta grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Kobora kamasho rabaka indidi brokosho raba. Merci, ma sœur. Merci. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour que le Seigneur veut sauver. C'est aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin de rencontrer Dieu aujourd'hui. Mantelebro. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train de visiter, il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. N'hésite pas, mon frère. N'hésite pas, ma sœur. Pendant que tu viens devant, tu dis, Seigneur, je te veux. Je ne veux pas la religion. Je te veux. Je veux Jésus. Jeune homme, jeune femme, jeune fille. Je veux Jésus. Voilà, vous venez. Approchez. Vous n'approchez pas devant moi, vous approchez devant le Père de grâce et d'amour. Le Père, votre Père qui est dans les cieux, votre Sauveur et votre Seigneur.
celui qui a été à la croix pour vous, celui qui a versé son sang pour vous. Son nom est Jésus de Nazareth, le Christ. Et pendant que vous venez devant, dites tout simplement, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, mantolobro. Libra koshkorabaya shandebosha. Aujourd'hui, c'est un jour pour un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est un jour pour une nouvelle décision. Maikorabaya shorabakainte. Maindelebro koshorabakai kosandelebroko. Approchez, approchez, s'il te plaît. Pousse le pot là, pousse le pot. Maikaroto sorabakaintelebro koshka. Vous allez répéter après moi cette prière, tête baissée en signe de révérence envers Dieu. Vous êtes avancé parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu. Il a dit, je vous dis simplement, Dieu vous appelle tel que vous êtes. Dieu n'est pas venu pour sauver des gens qui sont parfaits. Il est venu pour sauver des gens qui sont pécheurs et qui sont imparfaits. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Vous allez répéter après moi cette prière et je vous demande, vous qui êtes dans la foule, vous qui êtes restés derrière, de soutenir ces frères, ces sœurs, ces jeunes. Dieu ne regarde pas à ton âge. Dieu a décidé de faire quelque chose de nouveau, de différent. Et l'onction du Seigneur va venir sur vous dans quelques instants. Elle se manifestera d'abord par la nouvelle naissance, par une nouvelle création, par une recréation de son Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu agit sur vous maintenant, ce matin, ce matin, ce matin. Répétez après moi cette simple prière. Père éternel, j'ai entendu ta parole. Je te rends grâce. Je te remercie de m'avoir parlé ce matin. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes, pour mes péchés, pour mon ignorance, pour mes erreurs, pour tout ce que j'ai fait et pour tout ce que je n'ai même pas fait, que j'aurais dû faire. Mon Père, qui est dans les cieux, aujourd'hui, par une décision de ma volonté, je te reçois dans ma vie. Jésus, 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 je t'invoque. Jésus, aujourd'hui, sois mon Seigneur, deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur. Aujourd'hui, change ma vie. Tu viens en moi. Je te reçois. Transforme ma vie. Change-moi. Afin que moi aussi, à mon tour, par ta grâce, je puisse changer les autres. Aider les autres à être changés. Aujourd'hui, je m'engage à marcher avec toi. Je m'engage à te servir. Je m'engage à te chérir, je m'engage à t'aimer, toi mon Seigneur, toi mon Dieu, toi mon Maître, Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu, tu es mon guide, tu es mon soutien. À partir d'aujourd'hui, je vais dépendre de toi, je vais marcher avec toi, je vais faire ton plaisir. Au nom de Jésus, Père, je te dis ma gratitude. Je te dis merci. Amen. Restez là où vous êtes, dans la même position où vous êtes. Excellent Père de grâce et d'amour. Tête baissée en signe de révérence envers Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour. Voici ce peuple. Voici ses enfants. Notre Père et notre Dieu. Aujourd'hui, je déclare au nom de Christ Jésus de Nazareth, ce nom redoutable et puissant, que par cause de leur confession, à cause de la déclaration de leur bouche et de ce qu'ils ont cru dans leur cœur, ils sont désormais enfants de Dieu et ils ne sont plus nés ni de leur père, ni de leur mère, ni de la volonté quelconque d'un homme, mais aujourd'hui, conformément à ta parole, ils sont nés de Dieu, Esprit de Jésus-Christ. Nous te les recommandons, car c'est toi qui les as appelés. Tu as dit dans ta parole que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ce n'est pas en vérité par notre propre volonté que nous sommes là, mais c'est par la grâce de Dieu qui se manifeste encore aujourd'hui. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions. Nous les recommandons à ta grâce. À partir d'aujourd'hui, je commande que le sang de Jésus les purifie. Le sang de Jésus les lave parce qu'ils sont entrés dans la famille de Dieu, parce qu'ils sont nés de nouveau maintenant.
Que le sang de Jésus les lave, les purifie et qu'ils soient sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu maintenant. Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit méchant, vous qui avez le contrôle sur quelconque de ces personnes, de ces âmes, lâchez prise dans leur vie maintenant au nom puissant du Christ Jésus. Je commande maintenant que tout ce qui les empêchait de marcher avec Dieu, tout ce qui les empêchait de chérir Dieu, tout ce qui les empêchait de s'attacher à Dieu est détruit dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père et notre Dieu, nous les recommandons à ta grâce, nous te remercions parce qu'aujourd'hui, assurément, c'est un nouveau jour. This is a new day for them today. Pour ce que tu fais en eux, pour ce que tu es en eux, à partir de ce jour, à toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Merci, merci, merci. Esprit de Jésus-Christ, merci. Merci. Vous qui êtes là devant, approchez aujourd'hui. C'est un bon jour pour vous aujourd'hui. C'est toi qui vas gérer. Je regardais la dame qui est là, jeune dame qui est là, jeune dame comme vous aussi, une véritable championne de Dieu. Elsa, lève la main s'il te plaît, que l'on te voit. À la fin du service, ne partez pas tout de suite. À la fin du service, si vous êtes là pour la première fois, ou si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous savez, quand je vois, à l'époque, je vous fais une confidence, quand je voyais les jeunes gens, dans l'ignorance qui était la mienne à l'époque, au début, je disais toujours, mais Seigneur, donne-moi les adultes, donne-moi les adultes. Et puis le Seigneur m'a dit, je te donne ceux qui vont changer l'histoire du pays. Je te donne ceux qui vont marquer leur époque. Quand je vous vois, vous les jeunes là, les jeunes gens là, moi je ne vous vois pas tel que vous êtes. Je vois des gens sur qui Dieu déverse l'onction. Sur qui Dieu va déverser son onction. Je vois vous tous des jeunes là, je vois des jeunes qui allaient changer votre génération. Dites-moi amen. Amen. Et je vous assure, n'oubliez pas une chose. Dieu ne regarde pas votre âge. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Ce n'est ni par la force, ni par vos diplômes, ni par vos ethnies, ni par vos noms, ni par vos capacités, ni par quoi que ce soit, mais c'est par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul. Quelqu'un acclame le nom du Seigneur ce matin. Nous allons prendre le temps de vous recevoir individuellement. Nous allons prendre le temps de vous recevoir individuellement dans la salle annexe tout à l'heure avec Elsa. Nous allons prendre le temps de vous recevoir. Sachez que notre but, c'est juste de vous tendre la main, comme nous aussi, on nous a tendu la main hier. Quand on est de nouveau, on rentre dans une famille, on a besoin d'avoir des pères, des grands frères, des grandes sœurs et des repères. Notre but, ce n'est pas de vous obliger à faire quoi que ce soit. Notre but, c'est juste de vous tendre la main, comme nous aussi, hier, quelqu'un nous a tendu la main et nous a aidés à marcher dans cette nouvelle vie en Christ Jésus. Et dans cette nouvelle vie, vous êtes assurément déclarés vainqueurs par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit « Amen ». Donc voilà, à la fin du service, vous vous rapprocherez de ce frère, de cette sœur qui est là-bas et nous aurons un entretien ensemble, puis nous serons disponibles et disposés pour vous recevoir. Amen. Amen. Donc repartez à vos sièges respectifs, que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le nom du Seigneur pour ses bien-aimés, pour ses hommes et ses femmes. La dernière annonce que je voudrais faire ce matin, n'oubliez pas, le 30, le 31 et le 1er, août, nous serons ici le mercredi, le jeudi, le vendredi soir de 18h à 20h30.